Bonjour et bienvenue dans Fashion and Style, l'émission qui allie lifestyle et mode. On y parle news, musique, events, personnalité, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti. On commence par les news. Au mois de mai s'est déroulé le Met Gala de New York, l'une des soirées les plus sélectives de la planète, durant laquelle on voit des stars mondiales de la mode et du showbiz sur le tapis rouge. Une édition qui célébrait le couturier et styliste Karl Lagerfeld qui nous a quittés en 2019. On a pu voir passer Nicole Kidman, Rita Ora, Roger Federer, Kate Moss, pour ne citer que. Attardons-nous sur la chanteuse et actrice Erykah Badu, connue pour des titres tels que On and On, You Got Me ou encore Tyrone, et elle a d'ailleurs remporté des Grammy Awards. Elle portait au Met Gala une robe de la maison italienne Marni du directeur artistique Francesco Rizzo. La robe était composée de plus de 90 000 mètres de fil coupés sur mesure pour obtenir un effet de frange fluide ponctué de perles et de cristaux, excusez-moi madame, conçus à la main. Figurez-vous que quelques semaines après l'événement, ils ont dévoilé une collection commune en édition limitée. Erykah Badu a un style assez distinctif depuis ses débuts. Elle a une certaine originalité, vraiment un style qui lui est propre. Vous allez retrouver 42 pièces comprenant des robes en satin, des cuissardes, des chaussures, des accessoires même colorés. Alors, êtes-vous prête pour cette nouvelle collection Marni? Allez voir. On continue avec la Fashion Week printemps-été 2023 qui a pu mettre en avant les nouvelles tendances mode que vous allez devoir arborer cet été. Dans cette édition Fashion and Style, j'ai voulu vous parler des cargos. Vous savez, ce type de pantalon avec une coupe large et de grandes poches sur le côté, un peu comme les pantalons treillis militaires. Ils seront donc encore là cet été. On a pu notamment les voir lors des défilés de Copernic, de Diesel ou encore de Fendi. Vous pourrez donc bien sûr retrouver des cargos chez Mango, Zara, Bershka et toutes les marques de prêt-à-porter. Passons au focus de la semaine avec Anta. Sa page Instagram All Things Anta regorge de belles photos d'elle sur lesquelles elle met en avant des marques sénégalaises et plus généralement africaines. On peut y voir des boubous de la marque Maison du Boubou, des tenues Diarabé ou encore la marque sénégalaise Sanissé. On aime ces petits réels où on la voit posée pour mettre en avant, bien sûr, sa tenue, mais l'on peut également apercevoir quelques détails de la beauté du paysage sénégalais. D'ailleurs, en plus de la mode, elle partage régulièrement dans ses stories sa vie sénégalaise avec les hauts et les bas que cela peut comporter. C'est donc une page à suivre pour vous inspirer questions mode et lifestyle sénégalais. Cette édition de Fashion and Style est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibe et de mode. À bientôt.